De dire que avec la doublette Colasin Al-Safi avec Al-Safi qui sera très mouvant devant probablement. Et cette équipe classique, vous avez évoqué les changements du. Qui était suspendu, on vous le disait, face à Aston Villa suite à sa carte rouge face à l'AC Milan. Il y a Chari pour Meyer, c'est bien joué, Meyer ouais, magnifique. Et l'ouverture du score, Romeo Vermaet. On joue depuis un peu moins de 3 minutes et le club de Bruges a peut-être déjà fait le plus dur dans cette rencontre. En tout cas, ils ont exaucé les vœux de leur entraîneur, marqué en premier. Vous aviez vu juste, il y a Chari pour Boté, cette phase arrêtée. Ballon qui va arriver au deuxième poteau chez Hans Van Aken, directement sur Nick Shinton, qui veut jouer rapidement évidemment. Ça c'est se jeter, plonger, attention ici. Et Nick Shinton. Oui, ça vient finalement compléter nos propos, mais c'est un but de buteur et surtout c'est une course de buteur. Et là il refait. Oui, c'est Shinton qui fait partie d'ailleurs des 10 légendes, hein, du Hall of Fame de la Pro League. Vous avez pu l'entendre parler, attention ici Shinton, qui ne s'est pas fait avoir, il a eu un peu de chance, la balle est venue directement sur lui. Oui, par contre. Il va chercher le second poteau sur la première tentative. Thibaut Verlinden, c'est sur Simon Mignolet. Ah, c'est récupéré, c'est très bien joué là de la part du Berscott. On cherche les solutions avec ici Al-Safi qui pénètre dans la surface. Al-Safi, l'arrêt de Mignolet et Colasin qui peut suivre. Est-ce qu'il y a une faute? On réclame le pénalty ici du côté du Berscott. Il est là, oui, Bruges mène à la mi-temps, avantage confortable, une équipe pour l'instant qui semble gérer. Bruges a bien travaillé, ils ont fait l'entame de match qu'ils voulaient. Yachari avec un ballon qui va arriver en première zone cette fois-ci. Oula, mais c'est Björn Meyer. Ah, il aurait pu s'offrir un but après les deux passes D. Ah oui, ça, on vous le voyait. Qui est en train de retirer sa chasuble, je pense. Al-Safi, Al-Safi pour faire un 2. Pour faire un 2. Et relancer le suspense dans ce match. Contre Bruges, il faut oser. Verlinden, on vient demander du côté d'Al-Safi. Il parvient à contrôler, il parvient à retourner. Al-Safi pour le but extraordinaire. Al-Safi, mais quel but incroyable du joueur saoudien qui plante un doublé en l'espace de 2-3 minutes. Mais ça, c'est un but de classe mondiale. De Fayette qui peut de nouveau lancer. Al-Safi qui est pour l'instant en feu. Il décale finalement. La balle toujours dans la surface. Il demande de nouveau ce ballon en retrait. La frappe ici et l'arrêt de Simon Mignolet. De venir rester en retrait à côté de Seize puisqu'il y a Al-Safi. Il va demander de reculer un petit peu pour ne pas laisser Seize en 1 contre 1. Bah, l'idée, ouais, elle est simple. Hein. Jamais laisser de 1 contre 1 comme ça. Ce ballon qui va arriver en seconde zone et l'arrêt de Shinton. L'arrêt de Nick Shinton, c'était bien tenté là du côté brugeois. Tout le reste des joueurs brugeois se trouve dans ce petit rectangle. Shinton qui boxe. Est-ce que Sabeu peut reprendre cela? Sabeu, ça file au-dessus. Ah, celle-là était plus belle que sa première tentative. Et vers la montre de Bram van Driess. On vient de dépasser. Dirkuit qui râle, mais c'est lui qui fait le dernier changement. Et bien voilà, c'est terminé. Le Berscott prend un point face au club de Bruges.